Yo, salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons tester la nouvelle application France Info. La nouvelle application France Info, c'est tout simplement la nouvelle application d'info du service public audiovisuel, radio et télé. Et pour le coup, c'est très classe. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, voici l'application France Info qui démarre sous vos yeux ébahis. C'est tout simplement le nouveau service public en fait de l'État pour l'info. Donc ça va être sur la radio, sur la télé, sur internet, sur les smartphones, sur les... Enfin, c'est vraiment un vrai réseau bien fini, etc. Vous avez donc en arrivant sur l'application les dernières nouvelles, les lives de l'actualité, par exemple ici en Italie. Bilan qui s'alourdit, machin, parce qu'il y a eu un séisme. Donc il y a quelques photos, vous voyez, en direct live. Et voilà, et ensuite c'est marqué de qui sont les photos. Ensuite vous avez des flashs, hein, des alertes, avec cette icône ici, pardon, cette espèce d'éclair là, c'est les alertes en fait, c'est des trucs assez urgents. Et donc là vous avez toutes les dernières actualités, y compris des actualités sur Twitter, par exemple ici avec Tokyo 2020. Donc avec une photo et un petit texte, très succinct, et on a aussi pour les Jeux Olympiques, pour les trucs comme ça, donc vraiment on a un peu de tout. Donc ça c'est pour la page d'accueil, vous avez les titres qui sont développés donc sur les différentes éditions de France Info. Vous avez également reconnu cette petite tête qu'il s'agit de Nicolas Sarkozy. Bien, donc ici vous avez tous les titres avec des vidéos, des photos, des textes, des trucs, par exemple, je sais pas, on va en prendre une, l'Italie par exemple. Donc j'ai touché ce truc là. Et voilà, vous venez d'assister. Ceci n'est pas fait exprès du tout. Voilà, ça vient de planter, donc France Info, s'il vous plaît, alerte, au secours, je vais faire un rapport, vous voyez, parce que je suis quelqu'un de bien. Oui, des fois ça peut planter, donner mon avis. Non. Il va juste envoyer les journaux système, etc. Bien, on recommence donc. Bon, oui, ça peut arriver, ça plante, hein, l'application n'est pas hyper finie, hein, donc il va y avoir des mises à jour, etc. Dans pas très longtemps. Donc ça, on le renvoie pas. Bref, donc je vous disais, on était sur les titres. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut, vous pouvez aller chercher n'importe quel titre, et puis voir quand il y a du test, des photos, des vidéos, etc. Vous avez aussi les replays. Alors les replays, ben, vous voyez, c'est des vidéos de France 3, de France 2, de France Info, de n'importe qui. Et donc tout ça, c'est mis à jour. D'ailleurs, ça, c'est nouveau. Il y a 10 minutes, ça y était pas. Et donc là, dans les replays, vous pouvez accéder à des sous-catégories. Vous avez les vidéos, mais vous avez aussi les replays des JT complets, de la 2 et de la 3. Toutes les éditions, donc 8h, 13h, 20h, 12, 13, 19, 20, soir 3. Voilà, comme ça vous êtes fixé. Et vous avez aussi les replays des magazines qui sont diffusés sur France 2, France 3. Donc mon envoyé spécial, 13h15, cache investigation, complément d'enquête, envoyé spécial, langue écho, mon croisé, un œil sur la planète, avenue de l'Europe, pièce à conviction, etc., etc., etc. Ah bah c'est tout. Vous avez les replays des magazines, tout simplement. Sur la gauche de l'application, vous pouvez faire un slide. Et là, vous avez tout est classé par catégorie. Vous avez la catégorie politique, faits divers, société, éco-conso, etc. jusqu'à la météo. Et donc, c'est classé par catégorie. Il n'y a que ça, d'ailleurs. Et vous avez aussi un bouton réglage. Réglage, c'est quoi? Bah, vous pouvez tout simplement accéder à vos réglages, paramètres, contacts, etc. Donc ça, c'était pour l'onglet de gauche. À droite, il n'y a rien. Si vous faites un slide, vous changez entre live, titre et replay, hein, donc ça sert à rien. Et en haut, ici, vous avez une icône TV et une icône radio. C'est pour quoi faire, c'est pour tout simplement soit aller voir la TV, voilà. Un réseau unique de journalistes. France Info, l'info partout. Oui, monsieur. Donc je trouve ça très classe. Et donc vous avez aussi la radio, hein, de la même manière que la télé, vous vous appuyez dessus. Et vous avez la radio. Après le tremblement de terre puissant cette nuit dans le centre de... Oui, mais arrête-toi s'il te plaît. Voilà, arrête-toi. Et en bas, vous avez également une icône de recherche ici, vous appuyez dessus, hop, et vous pouvez rechercher n'importe quoi, hein, voilà, par exemple... Bon, il trouve rien, hein, volontairement. Et en bas, vous avez une petite icône comme ceci, qui vous permet de poster, en fait, des commentaires ou des petites choses sur France TV Info. Enfin, sur France Info, pardon. Vous mettez votre message, votre pseudo, vous pouvez ajouter des photos, des choses comme ça, et vous envoyez ça à France Info. Donc, c'est vrai, l'application est simple comme tout, mais elle est vraiment bien foutue. Il y a l'essentiel, du moins, il y a juste, vous voyez, les titres qui sont là, le live, hein, de l'actualité, les titres qui sont développés, les replays, tout ce qu'il faut bien. Et puis, franchement, l'application fonctionne bien. Donc, elle est entièrement gratuite, elle est disponible pour le Play Store, enfin, elle est disponible pour les iPhones, pour les iPads, pour les tablettes Android, les téléphones Android, je crois aussi sur Windows Phone, ça m'étonnerait pas, parce qu'ils ont la vocation à devenir un super gros réseau. Et puis voilà, enfin bon anniversaire, hein, Hillary Clinton, d'accord, bon bah bon anniversaire alors,
ça fera toujours plaisir. Ça va mettre à mal les BFM TV et iTélé, je pense. Donc, en bon entendeur, bien sûr. Tous devant France Info, Canal. Voilà, c'était marqué le canal parce que je ne me rappelais plus. Voilà. Donc, tous devant France Info, le 1er septembre, à partir de 18h, pour la cérémonie d'ouverture, entre guillemets, de France Info sur la téloche. Et puis sur la radio, tant qu'on y est aussi, parce qu'ils vont tout changer. C'était Seb, je vous souhaite de passer une très 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 bonne journée, une très bonne semaine, et encore pardon, parce que la semaine dernière, j'ai pas du tout fait de vidéo, c'est-à-dire que j'étais occupé avec une soi-disant voiture. Je vous laisse, salut, merci.